Le son de Bristol est mondialement connu. Cette rude ville portuaire a révélé des stars mondiales dans les années 90. Il y a 25 ans, des groupes comme Massive Attack et Portishead l'ont gravé dans les mémoires. Le son des 90s vient de cette paisible ville de l'ouest de l'Angleterre. Ils ont propulsé Bristol sur la carte mondiale de la pop. Depuis, la ville passe pour être la Mecque des artistes britanniques, même si leur groove actuel a une toute autre résonance. Cette chanteuse, Célestine, a fait fureur dans un télécrochet sur la BBC. Son compagnon, James, vient d'être nommé ambassadeur musical de Bristol par le maire. Il est chargé de promouvoir la scène musicale locale et de la commercialiser à l'étranger. Car parmi les 430 000 habitants de Bristol, James connaît pratiquement chaque musicien. Il connaît surtout chaque recoin de sa ville, qu'il est plus agréable de découvrir en naviguant. J'aime Bristol. La plupart de ses habitants sont très fiers de leur origine, très fiers de leur ville. Bristol a toujours été un grand mélange de cultures et de peuples, avec des influences du monde entier. Sa partenaire, la chanteuse Célestine, en est un exemple parfait. Je suis née ici. Ma mère est de la Barbade, mon père de la Jamaïque. Ils sont arrivés adolescents, comme c'est le cas de beaucoup de familles de Bristol. Les plaques de rue comme White Ladies Road, Route des Dames Blanches, ou Black Boy Hill, Colline des Garçons Noirs, racontent une toute autre histoire. Au XVIIe siècle, le port de Bristol était une plaque tournante du commerce des esclaves. Les noms des riches marchands, qui étaient souvent de grands mécènes, comme la famille Colston, ont marqué jusqu'à nos jours le paysage de la ville. Des groupes comme Massive Attack ont refusé de jouer au Colston Music Hall. Et ce genre d'attitude fait partie de l'image de cette ville, où on peut littéralement rencontrer à chaque coin de rue de vrais personnages et toutes sortes d'artistes. Je vais vous emmener à Ujima Radio, une radio locale de Bristol. Ça, c'est Rémi, un de ces nombreux présentateurs fantastiques qui soutiennent et poussent les musiciens de Bristol. Ujima, c'est aussi du Swahili. Les DJ d'ici, tous connus bien au-delà de Bristol, font couramment passer directement les musiciens de la rue au studio, toujours en quête du nouveau son de Bristol. Le son ici, la vibe, est très créatif. C'est comme une bouteille de vin pleine. C'est un son plein. Et cette bouteille est remplie de talent. On sent vraiment la musique. Ça a un côté terrien. Les gens ont de l'expression. Ils ont quelque chose à dire, ils sont passionnants et ils ont du cœur. Les jeunes qui accompagnent James dans cette balade en bateau représentent le nouveau son de Bristol. Le groupe s'appelle Led Black. Malgré un premier succès, il reste encore dans l'ombre de ceux qui ont propulsé Bristol sur le devant de la scène dans les années 90. Une des questions qu'on vous pose quand vous êtes un artiste et que vous venez de Bristol, c'est « Alors, qu'est-ce qui se prépare? C'est quoi le prochain son de Bristol? Qu'est-ce que Bristol va nous pondre ?» Les gens veulent savoir ce qui va sortir, qui va être la référence, au sens où Massive Attack en était une.
Avec leur dernier album, ils vont peut-être y arriver. On a été traîné avec les gars de Led Black, Bungie et Joe. Et ça, c'est leur album. Il est très bien. Le son de Led Black amène James jusqu'à Stokes Croft, le quartier de la ville où il vit et qu'il aime. C'est ici que tout se passe. Une bonne part de tout ce qui est créatif à Bristol vient d'ici. En fait, ce coin est une sorte d'épicentre du milieu des graffeurs, qui ont eux aussi contribué à la réputation mondiale de la ville dans les années 90. C'est sur les murs de Bristol que la superstar Banksy a commencé sa carrière. Beaucoup de ses compagnons de route sont restés ici. Steve, l'organisateur du grand Street Art Festival, se souvient encore très bien de l'époque sauvage des années 90. Les graffeurs étaient illégaux et ne sortaient que la nuit pour transformer les murs.